Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Être routier, c'est pas sorcier sur Euro Truck Simulator 2. Et on va reprendre notre aventure suivie, enfin notre aventure. Nos épisodes délire suivis en fait, j'ai plutôt envie de dire. Alors je sais pas où j'étais du tout. En revanche, peut-être que le son va être un chouïa trop fort. Normalement, ça a gardé les réglages, mais la dernière fois que j'ai dit ça, bah ça s'est révélé être complètement faux. Donc bon, j'ai pas pensé à faire d'essai sur le camion, enfin, c'est pas grave. Non, je pense que ça ira. Ok, ah oui, c'est vrai, on s'était arrêté pour dormir, hein, si je me souviens bien. Alors, oh, bon, j'ai un petit souci avec Fraps, qui lag un petit peu des fesses. Ok, donc, ah oui, on était à l'agence de recrutement, voilà, c'est ça. Ok, bon, bah on va se barrer. Ah oui, j'ai même pas de mission, ok, j'ai pas du tout de mission, il fallait y aller en chercher. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais pour activer les clignotants. Je crois que j'avais répondu, mais au cas où, je vais répondre. J'utilise ma manette PS3 et donc j'ai réglé L1 et R1 pour les changer. Et non, ce n'est pas automatique. Voilà, c'est ça qu'on me demandait. Allez, vous savez quoi? Moi, je passe parce que je suis un fou. Alors, mon camion est pas mal abîmé, mais je vais pas le faire réparer. Hein. Justement, ça peut être bien marrant d'attendre qu'il explose. Même si je paierais très cher. Ah oui, on était à Mannheim, c'est vrai, on était allé jusqu'à Mannheim quand même. Alors on va aller chez Trameri, là, je vois, il y a Trameri, il y a Eurogoodies aussi. Trameri, j'ai jamais fait de mission chez eux, donc on va en faire une mission. On va faire une mission de chez eux, ils vont comprendre à quel point ils auraient pas dû me recruter. Bon, allez, en revanche, vous avancez, s'il vous plaît. Alors mon camion a du mal, hein, au niveau de la reprise. Et regardez, il bouge tout seul. Le volant bouge tout seul. Ou alors c'est mon joystick peut-être qui fait ça, c'est pas impossible. Oula, il y a du monde, hein, c'est bouché. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un pont pour aller là-bas, j'y crois pas. Bon, bah non, alors finalement je vais pas aller chez Tram machin truc, je vais aller chez Transinet là. Et puis ce sera très bien comme ça. Alors t'as quoi à me proposer? Alors de toute façon il va falloir que je chope une remorque ou que je reparte, donc autant que je l'emmène dans le sens. Ouais d'accord, en fait ce que j'ai fait c'était là. Alors Mannheim Metz. C'est un peu bête, j'aurais bien aimé m'enfoncer plus en Europe, donc je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Tant pis, je vais aller Je vais aller chez un autre, c'est pas grave, on n'est pas pressé, hein, on n'est pas pressé. Allez, on est parti. Bon bah je vais aller voir chez Eurogoodies ce qu'ils ont. Puis s'ils ont rien, j'irai chez l'autre là, celui chez qui j'ai jamais fait de mission. Alors le céder le passage, je m'en moque, hein, c'est pas important pour moi. À partir du moment que je peux pas me manger d'amande, ça me va. Oula. Oh, l'esquive. Yeah. Oh là, il a du mal. Il faudrait peut-être que j'aille le faire réparer quand même. Ça me fait perdre du temps. Alors en revanche, moi, tu vois, je te grille. Oh là là, quand je te grille. Oh. Sois pas deg. Il y a un garage exactement là-bas, bah vous savez quoi, je vais aller faire réparer le camion peut-être. Oh, ouais, et puis non, c'est plus drôle. Et puis il va quand même vite encore, regardez. Mine de rien. Bon, ça doit être 50 la limitation, c'est pour ça. Allez, passe au vert, passe au vert. Oui, passe au vert. Il passe au vert le bibi. Attention, le virage, le virage, le virage. Oh, j'ai freiné quand même un peu avant. Mais sinon, ça passe pas. Clairement. C'est là? C'est quoi cette entreprise? Non mais attendez, je peux pas. Attendez, mais je peux pas rentrer là. Oh si, j'ai réussi. Pièce automobile de Mannheim à Cologne.
Ouais, ça peut être pas mal. Bah, de toute façon, j'ai que ça. J'ai pas. Ouais, allez, c'est parti. On y va. Mais ça va être pratique avec la remorque pour sortir. Hein. Vous appréciez. Vous allez apprécier l'étendue de mon talent de conducteur de. Donc j'ai calé, d'accord. Ça marche, je sais pas pourquoi, mais j'ai calé. Allez, on est parti. Alors là, ça va être le bordel. Non, ça va, c'est tout droit. Faut juste pas tourner trop tôt, quoi. Là, je vais accrocher. C'est bon. C'est juste os quand même. Hein. Il se moque un petit peu du monde tout de même. Alors, ça, c'est infraction, alors je respecte. Alors, il fait 20 degrés, il est 7h33 du matin. Je présume qu'on est en été, il y a une tour audiovisuelle, ça va être une tour hein, qu'on doit pouvoir voir à Mannheim, si quelqu'un connaît. Alors, même si je pense pas. Au revoir, quoique. Quoique, quoique. J'espère que vous profitez un petit peu du son du camion, si moi c'est pas très fort. Je vais augmenter un petit peu. Voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé à aller checker ici. Hop là, le mec qui arrive comme un malade. C'est parti. Ah, j'ai mon portable qui est à côté, bah, vous savez quoi, je vais le pousser. Voilà, qui est fait. Ça faisait longtemps hein, que j'avais pas fait de retour, c'est vrai que je laisse pas mal d'intervalles entre chaque épisode en général. Alors, je vais tenter quelque chose. Ouh! Allez! Ah, oh, je me suis complètement coincé. C'est ridicule ce que j'ai fait. Allez, allez. Pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai tapé mon pas de caisse. Oh, c'est n'importe. J'ai pas abîmé la cargaison, c'est quand même bien. Et j'ai pété un poteau. Yeah. Bon allez, c'est la nationale. On se barre. On se barre de ce bled paumé. C'est parti, j'ai presque plus d'essence non plus. Alors ça, il faudra que j'en fasse. Dès que je croise une station-service, hein, j'y vais. Allez, on quitte Mannheim. Pas grand chose à dire, hein, je suis désolé, c'est pas très palpitant là. C'est le problème de Road Truck, c'est que parfois, bah, il n'y a rien à faire. Si ce n'est suivre la route. Hop là. Le gros malade. Tac. Pour les virages larges, il passe dans l'air. Allez. Oui, alors pour parler d'un peu de la chaîne, du coup, bah écoutez, vous allez bientôt avoir un nouveau let's play qui va commencer, qui va prendre la place de March of the Eagles. Et donc ce let's play, c'est sur Cities in Motion 2. C'est un jeu paradoxe encore, je suis habitué au jeu paradoxe, je vais continuer à vous en faire manger du jeu paradoxe. Et donc le but, eh bah, c'est une simulation de transport en commun, ça peut paraître, enfin, une simulation de gestion de transport en commun. En gros, vous êtes le PDG de la RATP. Et vous devez faire tout pour ne pas faire ce que fait le PDG de la RATP. Et voilà.
La RATP, c'est Transport Parisien, hein, pour ceux qui ne seraient pas parisiens ou qui ne le sauraient pas. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans, on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, c'est sous réserve que le test soit bon. Par exemple, je vous avais promis un let's play sur SimCity avant. Alors, attendez, il se met à pleuvoir, je ne connais plus la commande pour les essuie-glaces. Alors on va tester. Les essuie-glaces, s'il te plaît. Les essuie-glaces, s'il te plaît. Ah, j'ai trouvé les warnings, c'est intéressant. Ah, et j'ai trouvé les essuie-glaces. Oui, donc... je vais... voilà, sous réserve que ce soit un bon test, parce que c'est pas un jeu que je veux particulièrement, c'est un jeu que j'ai envie de faire pour vous. C'est pas pour... voilà, ça m'amuse de le faire, mais avec vous, c'est un jeu que pas, je pense pas que je jouerai tout seul, ou peut-être pas tout de suite. Donc j'attends de voir si c'est bien ou si c'est pas bien, pour pas promettre comme j'avais fait pour SimCity, alors qu'au final, bah, j'ai pas fait à cause de ça. Grosse déception, apparemment en 3 heures c'était torché, bon, voilà. Alors là, vous voyez, il pleut, il y a un virage, il y a une ligne blanche, et moi je suis un fou, j'y vais. Il y a même de l'orage. Ouh la vache. Wouh! Ça passe. Ça passe. Allez, ça passe. Alors j'ai vu sur le GPS que j'allais manger ça, voilà. Fou! Ouh le lacet. Ah, et je suis fatigué aussi, du coup je vois plus rien, c'est bien. Où ça chasse? Oula! Alors, et, désolé, j'ai eu une coupure et en plus de ça, je me suis mis en vue extérieure, je ne sais pas comment faire pour revenir. Bon. Les warnings, je pense que c'est approprié. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah, il y a écrit de voir le réparateur. D'accord. Promis, j'irai. Allez, dégage-toi. Allez, s'il te plaît, démarre. Démarre, s'il te plaît. Non, mais regardez la remorque, c'est n'importe quoi. Je sais pas si je vais réussir à repartir. Allez, s'il te plaît. Allez, courage, tu peux le faire. Oh là là, je ne peux plus reculer. Ah si, là c'est bon. Allez, s'il te plaît. Allez. Non, je coule. C'est ridicule. Ce que j'ai fait est complètement ridicule. Allez. Oui. Non, j'ai cru. Non. Oh là là, je suis... Je sais pas si c'est... je sais pas comment on pourrait qualifier embourbé. Je vais avoir un peu retard sur ma livraison. Attendez, je force. Voilà. Je pense que cette fois-là, c'est bon. Allez, s'il te plaît. Oui. Non, ne fais pas ça. Allez, s'il te plaît. Allez. Il avance. Allez. Oui. Allez, encore un petit peu. Courage, allez. Il y a des feux qui marchent par intermittence en plus. Allez. Oui, c'est bon. Stop, me rentre pas dedans, s'il te plaît. Voilà. Alors j'ai eu une coupure parce que quelqu'un est venu me voir. Et voilà. Résultat, ce qui s'est passé. Ça donne ça. Bon. On est reparti. Il faut que j'aille voir le réparateur. Alors évidemment, je n'irai pas. J'ai besoin de la map. Voilà. Non mais bon. Ah oui, je suis fatigué. J'ai pas d'air de repos. Je ne peux pas m'arrêter.
Allez. Pouh, que d'émotion. Donc oui, Cities in Motion, si c'est un, s'il y a un bon test, et puis pour le reste, je continue mes séries habituelles. Et je suis en train de vous préparer Hearts of Iron 3. Alors vous me demandez, ouais, est-ce que tu vas faire sur Victoria? Oui, je vais faire sur Victoria, mais j'attends que le dernier DLC sorte en fait. Il sortira normalement au dernier trimestre, ce sera le dernier DLC du jeu, je crois, et je vais me faire plaisir. Ouss, mon dieu, la tenue de route. Je vais me faire un plaisir de vous le faire, mais il faut d'abord que j'attende que le DLC le sorte, donc à faire autant vous le faire avec tout. Et Hearts of Iron 3, je suis en train de préparer, mais c'est vraiment un jeu très très difficile. Donc je suis en train d'apprendre, mais c'est assez facile, c'est assez compliqué quand même. J'apprends. Oui, je sais que je dois me reposer, je suis fatigué, blablabla. Oh là là, oh là là. J'ai failli repartir dans le décor. C'est pas comme si j'étais à 90 sur une route nationale en train de faire n'importe quoi avec un camion. Et il pleut, et qu'il pleut. Ah, il y a une station service, bien, je vais pouvoir m'arrêter. C'est quoi ça? Oh, un passage à niveau. Eh, il fait clingling, il fait clingling. Oh, vas-y, je passe. Je vais manger un train. Je vais manger un train. Non, c'est bon. Je me marre bien quand même. Ça, on aurait bien rigolé si je m'étais mangé le train. Alors, j'ai besoin d'essence, ça tombe bien. Vous êtes exténué. Non mais c'est bon, dégage. Eh, je... Allez, on fait le carburant. C'est bien, ça me coûte pas cher déjà. Mon dieu, regardez la somme. 710 euros... 759 euros, c'est sympa. Non, mauvais fonctionnement du moteur. Ah bon? Bon mec, moi je roule dans un camion tout pourri. Bon allez, je m'arrête pour dormir parce que voilà. Ouais, bon, je vais tomber. Voilà, il s'est arrêté de pleuvoir, en plus c'est parfait. Allez, on se barre. Je crois que le mec qui m'a donné ce... Il va pas être content du retard de dans la livraison, quoi. Oh là là. Bon, c'est tranquille. C'est le calme, c'est pas le calme avant la tempête, avec moi c'est le calme après la tempête. Ou alors peut-être qu'il va y avoir une autre tempête. Oh oh, virage serré. Interdiction de doubler. Ouais. Ouais. On s'arrange. Pour l'instant ça va, j'ai réussi à ne pas... Putain, je passe des champions, appuie sur le champignon, je passe des champions, appuie sur le champignon, j'ai hâte d'avoir des cargaisons dangereuses, ça va être complètement énorme. Genre du verre ou des explosifs aussi, ça peut être ça. Allez, plus que 93 km. Tu me fais doubler. Quel bon. Tiens, tu me doubles pas. Tu ne me doubles pas. Et voilà. Tiens avec ta Audi. Je suis un fou moi. Je rattrape tout le monde. Il y a personne. On y va.
Il y a un camion qui arrive en face. Tiens, et si je me rabattais? Allez, je vais éviter de lui rentrer dedans. Alors là, je sais absolument pas ce qui va m'arriver dessus. Hein. Je peux... Oh mon dieu. Ah, c'est bon, il n'y a personne. Tac, 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 je fais n'importe quoi. Hop là. Tiens, je te double. Je te fais une queue de poisson. Ouais, c'est bon, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Hop là. Hop. Allez, encore une, encore une. Ouais, non, là, ça va être juste. Allez, hop, tiens. Tada. Très bonne simulation par ailleurs. Hein. Non, c'est vrai que c'est une très bonne simulation. Dire que je fais des trucs qui devraient pas être faits, quoi. Je pousse un peu le bouchon trop loin. Je pense pas qu'un camion réagisse comme ça en vrai. Allez, ah oh là là, j'ai du mal dans les côtes, hein. 67 km/h. Faut que je me fasse poser un gros camion. Un gros moteur. Il faudrait que j'achète un camion surpuissant, il faut que j'économise pour ça. Ou que j'emprunte beaucoup à la banque à la place de m'ouvrir une vraie entreprise avec des vrais salariés. Je m'achète un gros camion. Ouais. C'est la win. Faudrait que je le fasse ça, mais je le ferai en off. Ah, une voiture. Et il fait rien, hein, il veut pas m'éviter. Hein. Je suis obligé de passer dans l'herbe et tout. Oulala. Aïe, aïe. Ouais, je suis... Infraction de contresens. Non, 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 ouais, c'est bon. Contresens, contresens, en fait. Oula. Hop là. Aïe. Aïe. Ok, bon. Tout va bien. Tout va bien, je maîtrise le contrôle. Infraction de contresens encore. Ah non, mais je savais pas qu'on pouvait s'en manger. Je vais devoir arrêter de le faire trop souvent alors. Je savais que ça allait taper, mais bon, de toute façon, dégâts pour dégâts. Hein. Ah, je crois que j'ai tapé le mec de derrière. Pardon. Oh là là. Ah non, mais là, c'est... je regarde pas aussi. Tu fais n'importe quoi. Heureusement que je conduis pas comme ça en vrai. Sinon, il y aurait plus de voiture depuis longtemps. Allez, je suis presque arrivé, enfin. Vous allez bien vous moquer de moi, à raison. On a eu pas mal d'incidents. Ah, regarde, toi tu commences à me doubler, puis tu me doubles plus. Regarde, je te serre, je te colle. Je te colle, je te serre. Tiens, 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 tiens. Ah, sois pas laid. Le gros psycho. Allez, je vais enfin arriver. Oula, 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 il y a mon moteur qui me fait, qui m'a fait un petit coucou, il m'a fait, hé, hey, oublie pas, faut que t'ailles chez le réparateur. Je crois qu'il y a des radars dans le tunnel. Mais en fait, je m'en moque. Bienvenue à Cologne. Ah ouais, t'avances. D'accord, moi aussi je peux avancer, regarde, regarde. Moi aussi j'avance, regarde. Oh, j'ai avancé plus que toi. Oh, le moteur qui a du mal. Ah, il m'a tracé en accélération, quoi. Il a pas le même camion, en plus. Ah bah évidemment,
Ah bah évidemment, faut faire tout le tour pour rentrer. Ah bah bravo. C'est lamentable. Arrête-toi, s'il te plaît. Ouf. Ok, ah ouais, c'était pas loin. Eh oui. Hop là, on arrive, c'est bientôt la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Je me gare et on se dit au revoir. Voilà, j'attendais de taper. C'est quand même bien pratique. Quoi. Allez. Toc, voilà. Bon, eh bien écoutez, bonne journée à vous. Salut, salut.